Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour la suite d'Assassin's Creed Odyssey. Du coup, on se retrouve pour la suite de la quête principale. On va aller à Athènes et on arrive. Préparez vos avirons! Ah, enfin. Ça a été un long voyage. Hein. Très long voyage. Je sais pas combien j'ai fait de vidéos hors sujet, entre guillemets, où j'explorais les îles, etc. Mais c'était assez long. Hein. J'avais hâte de continuer la quête principale. Quand tu seras prête, retrouve-moi à la Pnyx à Athènes. Ah, tout ça pour ça. Très bien. 1000 km il faut faire. Ouais. Bon, ben c'est parti. On pouvait pas y aller ensemble, je sais pas. Donc Athènes c'est là. Il n'y a pas de point de ralliement, enfin de, vous m'avez compris, de d'observation, non? On va appeler cheval de droite. Qui est là. Et on va y aller tout simplement. C'est parti. Hop là. La contrée de la démocratie. Ok, bon, en tout cas, c'était cool le petit aparté, le petit hors-sujet que j'ai fait, la petite odyssée, si je puis dire. J'ai pas fait beaucoup de batailles navales, j'aurais dû en faire un petit peu plus, j'en ferai peut-être tout à l'heure hors caméra. Je les mets pas les batailles navales parce que c'est pas très intéressant. Donc voilà. Waouh! Athènes, c'est parti. Oula, oula. Le jeu a du mal. Avance. Ok, j'ai changé ma tenue aussi. J'ai mis un petit truc Athènes, vert. voyons ce que cette cité me réserve. Je me disais exactement la même chose. Ouais, j'ai mis un plastron vert. Je sais pas. C'est juste pour le foulard noir en fait. Le foulard, enfin le foulard. Vous avez compris, le truc là je le trouve beaucoup plus classe. Pour l'observation là. Ah mais il faut escalader tout ça là. Je sais pas si j'ai le droit d'être en cheval ici, mais. Athènes. En tout cas, c'est cool, je trouve les épisodes que je fais sur ma PS4, il y a une moins bonne. Comment dire? Enfin, genre, je peux plus me reposer, si je puis dire ça, comme ça. J'ai pas à. J'ai pas à parler H24, je peux faire des trucs à côté, etc. En plus, il y a du montage, du coup, les vidéos sont plus rythmées. Et Dieu sait que je supprime beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses que je ne mets pas. La prison, ah! Allez. Ça la prison? Où ça? Je pense que la prison, on ira un jour. Hein Donc, je crois que c'était Cléopâtre. Je sais pas. Là, je commence déjà à fatiguer, c'est pas bon. Bref, on va rejoindre Hérodote et on va faire la quête principale de suite. Il y a un dirigeant à côté du. Ah mais oui, mais le dirigeant, on va voir le. Oui, putain, je suis con. Je suis abruti, moi. Du coup, on peut le tuer? Non, je pense pas qu'on puisse le tuer. Je pense pas qu'on puisse mettre Athènes sous la direction des Spartes. Parce que c'est l'histoire principale, donc. Je pense pas qu'on puisse faire de bataille de conquête, etc. Je sais pas. Les Spartiates sont peut-être devant nos murs, mais nous devons demeurer unis pour la gloire d'Athènes. Ah. Mes amis, je vous en Okay. prie. Ce n'est pas parce que les Spartiates sont devant nos murs que nous devons nous comporter comme eux. Belle récolte! Dommage que les Spartiates l'aient consumé sur pied! Le Parthénon est splendide, Périclès! Mais à quel prix? Combien de trirèmes aurait-on pu construire à la place? Nous ne devons pas nous diviser! Nous sommes divisés! Et Sparte en profite! Agis, Périclès!
ou je le ferai. Oh bien, te voilà. C'est pire que je ne l'imaginais. Cléon a la foule avec lui. Nous devons partir, vite. Où ça? Voir Périclès. Ok. Rencontrer Périclès. Il y a beaucoup à faire. Et beaucoup d'incertitudes. T'as dit la même chose sur le bateau à peu près 300 fois. À chaque fois que je lui parlais, il disait ça. Je crois qu'il allait m'attaquer. Arrière! Elle ne vient pas attaquer Périclès. Je vous l'assure. Ah, Hérodote. Ça va. Laissez-les passer. Heureux de te revoir, Périclès. 100% Cléon, c'est un mec de la dague. De... du culte. D'autres circonstances. Qui est-ce? Cassandra. Bienvenue, Cassandra. Dis-moi, que t'inspire cette première visite d'Athènes? Le bordel. Tu ne dis rien? Si seulement tout le monde comprenait que le silence est aussi une réponse. Une foule est prête à s'emparer de la première solution qu'on lui apporte, comme un chien qui s'empare d'un os. Périclès, nous sommes venus pour... Il faut choisir le bon moment et nous adresser à lui en privé. Très bien. Nous sommes venus pour une affaire urgente. Comme tous les autres. J'ai laissé entendre à Cassandra que tu l'inviterais à ton banquet. Tu me demandes d'en exclure les Athéniens et d'y inviter une étrangère? Tu as entendu le peuple pourtant. Il ne manque pas de raison de me haïr. Si elle travaille pour toi, les yeux indiscrets la prendront pour une servante. Je ne suis la servante de personne. Cassandra, nous sommes à Athènes. Pour obtenir quelque chose, il faut parfois jouer un rôle. Et que cherches-tu à obtenir au juste? Des sous. Nous voulons tous quelque chose. Même toi. Tu es plus perspicace que tu ne le laisses paraître. Alors dis-moi ce que je dois faire. Commence par aller voir mon collègue, Métiochos. Il devait me retrouver aujourd'hui et il n'est pas homme à manquer un rendez-vous. D'accord. Et mon ami Phidias doit quitter Athènes le plus vite possible. Bien. Autre chose? Oui. Un vote portant sur un ostracisme pourrait bénéficier de ton influence. Ah, qu'est-ce qu'un ostracisme? Déjà, oui, premièrement, il a dit ce mot, je me suis dit, oulala, je vais passer pour un con, je sais pas ce que c'est. Ostracisme? Le mot bannissement est certainement... Ah mais oui, putain. Ici, à Athènes, on vote. Je suis con, oui, je connais. Pour déterminer laquelle de deux personnes doit partir. Le vote porte sur Anaxagore, le sophiste, et un autre homme. Un procès pour irrévérence. Un agent près de l'agora te fournira les détails. Un autre homme. Métiochos, tu as dit qu'il était ton collègue? C'est un homme politique, un allié, et aussi un ami fidèle. Phidias. Le sculpteur... Ah, si, lui! Phidias, on en a parlé dans... On l'accuse de plusieurs méfaits et il doit être jugé. Tu le trouveras sous bonne garde. Attendez. Phidias, on en a parlé dans le culte de Fairy Tail. C'est celui qui... Je compte sur ta discrétion. Il y a un mec qui devait le tuer, il a pas réussi et il s'est fait torturer, le mec. En mode, oh, t'arrives pas à tuer un artiste, blablabla. Il ne t'a pas officiellement invité, mais c'est tout comme. Enfin, je pense qu'il va quand même consulter Aspasia. Et demander sa permission. C'est le résultat qui compte. Ok. Direction nationale. Direction nationale. Place des contrats de guerre sur les tableaux de messages. Menez-les à bien pour toucher d'importantes récompenses. Mais gusta. Alors, attendez. Il y a plein de choses à faire. Déjà, premièrement, première chose à repérer, c'est le point d'observation d'Athènes. Il doit y avoir plein de trucs. Ah, là. En plus, il y a une quête à côté. Donc, c'est parfait. Création d'occasion. Qui des... Ah, Démosthène, ok. Tableau d'affichage, là c'est le dirigeant, j'imagine que c'est... Oui, voilà, c'est Périclès, mais je peux pas le tuer, j'imagine. Hein? Ah.
Ah oui, bon, on s'en fout. On s'en fout. Hop, lune non découverte. Bon, ça, je... Voilà, bon, je pense que cette vidéo, on va déjà faire ça. Ensuite, je me dirigerai vers une quête. Une quête, tout simplement. Il y en a une là, une là, une là. Bah, c'est parfait. Du coup, oui, attendez. Phidias, on en a parlé, j'en suis persuadé. Phidias. Phidias, le sculpteur, est menacé par le culte. Il faut poursuivre l'Odyssée. Voilà, c'est ça. Deux adeptes veulent s'en prendre à Phidias, un célèbre sculpteur athénien. Cassandra a décidé de réduire leur effort à néant et de sauver le pauvre homme. Voilà, c'est lui, on s'en souvient. Du coup, j'aurai cette branche, ok. Tu as fait tout ce que t'as demandé, Périclès ? Non. Ah, quête annexe, attendez. Quelqu'un qui marche. Salut. On va visiter Athènes, et puis voilà. Quelle est, jeune fille ? Ah, c'est Cléon. Je t'ai vu parler avec Périclès, mon associé. Ce que j'ai vu, l'association est curieuse. Non, oh, ce n'est que de la politique. Périclès est un homme de bien, mais pas celui qu'il nous faut. Ce n'est pas ce que j'ai entendu. De qui ? De lui-même ? Je vous ai entendu tous les deux. Pour toi, la vie des gens ne compte pas beaucoup. La politique est un jeu, aux enjeux très élevés. Moi, je joue pour le peuple, et Périclès, lui, pour le pouvoir. Nous voulons tous le pouvoir. C'est ce que nous en faisons qui compte. Voilà, c'est exactement ce que j'avais en tête, mais... de notre chef est je savais pas si elle dirait ça. Notre époque exige de la force. Bon, tu veux quelque chose ? Ou tu désirais simplement m'entretenir des subtilités de la démocratie ? Périclès offre des banquets aux riches et aux puissants alors que nous sommes assiégés. Je veux que le peuple reprenne le pouvoir. Tu peux m'y aider. Mes services ne sont pas donnés. Je connais les forces du commerce et les besoins des gens. Je saurais te remercier pour tes services. Et quelle aide devrais-je t'apporter ? Pas à moi, à Athènes. Les Spartiates hurlent devant nos murs. Va semer le chaos dans leurs rangs, qu'ils souffrent. Ça, je peux faire. Réfléchis. Vas-tu accepter ma mission et montrer aux Spartiates que nous ne sommes pas encore vaincus ? Ça, je peux faire. Mais si tu me demandes d'assassiner Périclès... Ça ne me gêne pas de tuer des Spartiates. Bien. Exécute Nabis, leur chef. Détruis leurs vivres et reviens avec la preuve de tes exploits. Montre-leur que tu nous avons des dents, nous aussi. Compte sur moi. Crois-moi, c'est une tâche que tu ne regretteras pas. Ok. Suivi de quête pour le peuple. C'est où ? J'imagine que c'est loin, non ? C'était marqué à gauche et j'ai mis la carte comme un abruti. Affaiblir l'emprise de Sparte dans l'Attique. Le siège est en cours dans l'Attique. Les campements spartiates sont au nord-ouest de Grande Athènes. Le polémarque et ravitaillement sont dans le campement d'Odomadrion et d'Archnel. Plaine assiégée, j'imagine que c'est ça, non ? Bref, on verra. On verra ça. Du coup, je vais aller au point de machin, là, et voilà. Ça, c'est une quête qui se fait petit à petit, donc... il est où ? Là-bas. On va aller tout là-haut, 400 mètres à faire. Ok, bon, ça a l'air d'être un petit bordel. Il va falloir se mêler de la politique, tout ça. Bon, pourquoi pas. Par contre, il pleut depuis deux... Ces deux dernières heures, là, il a plu. IRL, je veux dire. En navire, il a plu. Quand j'étais sur l'île, il a plu. Putain, c'est épuisant. J'aime beaucoup la pluie, mais... Sanctuaire de l'Acropole. Ça, ici. Il pleut tout le temps. Ça, je peux le voler. Toi. Si on me propose de voler les choses sans me faire engueuler, bah, je le prends. Hein.
Et du coup, avant que ça coupe, enfin avant qu'il y ait la cinématique, je disais oui, c'est cool de. Je peux faire un montage facilement depuis la PS4, etc. Donc c'est sympa. Et j'ai juste à. Enfin. Alors que quand je filme là avec mon HDPVR, parce que ça a une meilleure qualité, donc pour l'histoire principale, je préfère avoir une bonne qualité. C'est plus lent, il y a des les moments comme ça là où il se passe rien, je peux pas couper parce que mon PC ne peut pas faire de montage, sinon il explose. Déjà là quand je filme, il y a la limite d'exploser. Hein. Au bout de 2 heures, je l'entends cracher du feu. Mais voilà. Du coup, c'est. Ah, c'est sûr là. Où c'est. C'est qui c'est. Attends, je vais dire une connerie. Je vais dire une grosse connerie. J'ai la peur de. La célèbre acropole. Un témoignage du talent et de l'intelligence de l'humanité. Athéna, d'ailleurs. J'avais peur de me tromper, en fait. Mais pourtant, je savais qui c'était. Et comment on escalade la déesse de la guerre là. C'est eux qui l'ont dit. Moi, je dis ce qu'on me dit. Comment tu veux escalader ça. Alors, désolé. Je vois pas les prises. J'appuie sur tous les boutons et ça fait des trucs. Athènes, du coup. Déplacement rapide débloqué. Okay. Mais du coup, Périclès, je peux l'assassiner. Oh, tu m'as fait peur. Je voulais pas faire ça, je voulais me mettre sur le nez de Téna. Bon, c'est pas grave. Oula, un soldat. Kéré. J'ai peut-être du travail pour toi, si tu te bats aussi bien qu'on le prétend. On t'a parlé de moi ? N'en tire aucune gloire. Je suis au fait de tout ce qui se passe dans cette ville, Istios. Après de telles flatteries, comment pourrais-je refuser quoi que ce soit ? Je ne cherche pas à te flatter. Je cherche à t'engager. J'aimerais que quelques militaires spartiates disparaissent. Ouais, on me l'a déjà dit, ça. Je crois que tu te fais une fausse idée de moi. Général. Démosthène. Je ne suis pas une meurtrière, si c'est ce que tu espérais. J'espérais surtout avoir affaire à quelqu'un qu'on paie. J'avais tort ? Non, pas complètement. Bon, d'accord. Qu'est-ce que tu veux ? D'après mes espions, les Spartiates sont sur le pied de guerre. Je veux que tu les retardes. Entre dans leur fort et tue ceux qui les commandent. Ça me paraît logique. Ravi que tu approuves. Tu devras m'apporter comme preuve les sceaux des chefs que tu auras tués. Et tu seras grassement payé. Ça ne ressemble pas aux méthodes athéniennes classiques. En effet, mais mon plan fonctionnera. Et c'est ce qui compte. Les méthodes classiques ont déjà coûté la vie à beaucoup trop d'Athéniens. Les autres généraux s'y opposent, mais je ne les laisserai pas ruiner nos chances. Que voudrait-il faire ? D'honorables batailles rangées. Une opposition brutale et vulgaire de nos forces contre celles des Spartiates. Mais nous n'aurions aucune chance de gagner face à ces sauvages. Par conséquent, nous devons ruser. Acceptes-tu de tuer les chefs de l'armée spartiate ? D'accord, j'accepte ce travail. Bien. Je n'ai pas l'autorisation de confier cette tâche à nos hommes, mais ce n'est pas ça qui va m'arrêter. Qu'est-ce qu'ils ont de si spécial, ces sceaux ? Seuls les chefs spartiates d'élite, ceux qui commandent des forts, possèdent de tels symboles. Oh. Attends-toi à ce qu'ils les défendent jusqu'à la mort. Alors bats-toi, rapporte-moi ces sceaux comme preuve de leur trépas. Où vais-je les trouver ? Les Spartiates ont fait une percée en territoire athénien. Ils se sont emparés de forts qui nous appartenaient. Tâche de le leur faire payer. Ok. Que comptes-tu faire ? Ce qu'il faudra pour protéger les Athéniens et tuer des Spartiates. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Que comptes-tu faire, toi ? Mes projets politiques ne te concernent en rien. Sache seulement que je ne cherche que la reconnaissance du bien fondé de ma stratégie. Ok. Tu m'en as assez dit. Tu auras tes sceaux, général.
Ok. Bon, qu'allons-nous faire du coup? Est-ce que ça a débloqué de nouvelles quêtes dans Athènes? Non, en tout cas il y a des panneaux d'affichage, donc ça peut être sympa. Ça c'est un sanctuaire. Ça c'est une mission, ok. Bon, on va aller au panneau d'affichage et ensuite on ira là. Ostracisme. Chargé d'influencer un vote devant ostratiser un homme appartenant. Apparemment innocent. Cassandra a dû s'exécuter si elle voulait assister au banquet de Périclès. Ok. On va faire ça. Il y a des photos. C'est un gros chien ça. J'aime bien regarder les photos des gens. Ça aussi, je le mets pas dans mes vidéos sur la PS4 parce que j'imagine que ça intéresse personne. Si des gens regardent ce let's play. Moi j'aime bien regarder les photos des gens. Parfois ça spoil. Il est vrai que parfois ça spoil. Mais voilà. Enfin bref. Du coup, tableau d'affichage. Hop. Alors un truc que j'aime pas dans ce jeu par contre, je comprends pourquoi ils l'ont fait, mais j'aime pas, c'est qu'il n'y a pas de dégâts de chute. Tu peux sauter de n'importe où, tu mourras pas. J'aime pas. Franchement j'aime pas. Ça casse le mythe de... Vous savez, des bottes de foin, etc. C'est dommage. Dans les autres jeux, on se plaignait qu'il y avait trop de bottes de foin, qu'il y en avait partout, etc. Et que du coup, on pouvait sauter de haut, de partout. Mais là, il n'y en a pas du tout, en fait. Du coup, c'est gênant. Quoi ? Caché où ? Ça, là ? Ouais, les points d'interrogation, je les ferai un autre jour. Là, j'ai envie de... J'en ai trop fait de points d'interrogation, j'ai envie de continuer la quête. Et la visite guidée, ce sera une autre fois. Hop, du coup. Brûler le drapeau noir. Bon, tuer des pirates en gros. Prime sur la fille d'Artémis. Ah, c'est les chasseresses. Je sais pas si j'aurai le temps, mais c'est pas grave. Réunir une rançon. C'est quoi réunir une rançon? Peux-tu aider un homme à revoir son cher frère? Ah, mais 2 heures? Ça va être compliqué ça. Nouvelle quête. Je regarde où elle se trouve. Loin, non? J'ai l'impression qu'elle se trouve loin, donc ouais. Ouais, bon. On verra ça une autre fois. Du coup, la quête. Mais pourquoi je suis... C'est interdit ici, là? Qui c'est qui a parlé? J'ai mon casque à l'envers ou... Allez, bref. Qu'est-ce qui se passe? Tu dois être l'envoyé de Périclès. Oui, c'est moi. Il m'a parlé d'un vote d'ostracisme, et il ne m'a pas dit ce que je devais faire. C'est normal. Et c'est pour ça que je suis là. Les gens bannis, ils ont le droit de revenir? S'ils le font, on les punit. Quel type de crime est passible d'ostracisme? Il suffit d'être vu comme une menace pour la ville ou le peuple. Ensuite, tout dépend du vote. Certains ont été ostracisés parce qu'on les appréciait moins que l'autre candidat. Alors, quel est mon rôle? Les gens ont déjà voté. On ne va pas tarder à compter les voix. Prends les ostracas qui sont dans ce sac et échange-les contre ceux qui sont sous bonne garde. Tu veux que je manipule ce vote? Périclès le souhaite, oui. Et il a sûrement ses raisons. Apporte-moi le sac qui se trouve dans la salle et je m'occuperai du reste. Personne ne me verra entrer ni ressortir. Reste ici. Ah mais c'est pas... C'est pas ici? Oh bah go.
marchandises de tout le monde grec. Oh, difficile d'imaginer que la cité est assiégée par une armée de Spartiates. Sana ? Intéressant. Ah oui, alors les poules. Je sais pas si j'ai mis dans la vidéo, mais à chaque fois que je me fais attaquer, ben c'est les poules qui m'attaquent. Genre, il y a un mercenaire qui m'attaque, il y a les poules qui aident le mercenaire. Je comprends pas. Je sais pas comment. Enfin bref, voilà. C'était la pensée du jour. Mais on peut voler ici ? C'est bizarre, on peut tout voler ici. Attendez, je profite. Ah non, ça j'ai pas le droit. Mais. Putain. Oh, le fil qui s'en mêle dans mon pied, je déteste ça. Alors. Mieux vaut se méfier. L'endroit est bien gardé. Et c'est quoi là que je dois... Ah c'est là, ok. Limite faudrait mieux que je contourne. Il vaut mieux contourner je pense, ouais. Quoique, à partir d'ici. Sérieux là? Il peut me voir lui. Ok, donc déjà l'infiltration n'est pas éliminatoire, ça c'est cool, lui là-bas il va me voir. Je sais pas trop comment passer là-bas. Je comprends pas où est-ce qu'on rentre dans la maison là. Ah, il faut obligatoirement passer par là.
Continue à chercher. Merde, pardon le dieu, c'est toi. Je sais, j'ai pas joué aujourd'hui, je sais pas comment jouer. Citoyen là qui prend le. J'ai pas envie de tuer les citoyens parce que. Mercenaire, t'avances. Pourquoi ne meurs-tu pas ? Je me suis pris la flèche dans le genou. Oh putain. Bon, attendez. Je devrais m'entraîner en fait. Avant de commencer à jouer pour la première fois de la journée. Parce que là, j'étais perdu. Je savais pas comment utiliser les pouvoirs, etc. J'étais complètement perdu. Pourtant, j'ai joué hier toute la journée. Mais là. Origine des maths. Oh là là. Origine du démon, tu veux dire. Arithmétique, géométrie, astronomie et harmonie. Ah. Bon, attendez, cette fois je me concentre. Ah, c'est bon, on recommence d'ici. Pourvu que personne ne me remarque. C'est lui là qui m'a niqué, l'enfoiré. Du coup, il faut rentrer par là, c'est ça? Ou par là? Obligatoirement. Oh là là. Oh là là, ce bordel. Parce qu'en fait, j'ai envie de laisser un autre trace. Enfin, vous avez compris. Genre, pas de, ne pas laisser de trace, tout simplement. Et lui, il va se mettre là où il faut pas, c'est ça? C'est la même. Ne viens pas, 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 ne viens pas. Il est pas venu. L'esprit me joue des tours. Oh! Ah, mais c'est une statue. Putain, c'est pas par là qu'on rentre? T'es sérieux? Mais là, oh là là. Ramasse la torche vite. À moins qu'elle brûle. Ça va. Le corps est caché, ouais. Là, le problème, c'est que je peux rentrer que par là. J'ai pas l'impression qu'on puisse rentrer par là, et non. Putain, ce bordel.
Bon, ça va, il n'y a pas de garde. Merde, il y en a encore. Quoi? Ça devrait faire l'affaire. Je dois prévenir l'agent de Périclès. Ok. Putain, j'avais pas eu tout. Ok. Ils ont pas trouvé le corps, ça va. D'ailleurs, je me demande. Ah, j'ai envie de recommencer. Bon, c'est pas grave. J'allais dire. Vu que là, on manipule des votes. Enfin, c'est pour ça que j'avais peur de me faire repérer, en fait. Parce que. Je me dis, vu qu'on repère. Qu'on manipule des votes, tout simplement. Si on essaye de faire une fraude, peut-être qu'on va se faire engueuler. Ou que la mission aurait échoué. C'est pour ça que j'avais peur de me faire repérer. Mais apparemment non, donc je sais pas si... c'est dommage qu'ils poussent pas le détail aussi loin. Après peut-être que... enfin ouais, je sais pas. Alors... C'est fait. Tu travailles vite. Et qu'est-ce que tu comptes en faire? Les jeter dans un puits. Ah, on dirait que le magistrat est arrivé. Kenes. Les voix ont été comptées. À une majorité écrasante, le peuple a décidé qu'il fallait chasser Anaxagore d'Athènes. Et c'est qui qu'on voulait sauver? Mais une fois présente, elle doit rester constante. Ah, Socrate! La vie me sera plus difficile maintenant qu'Anaxagore doit quitter Athènes. Nous étions proches, mais il l'était plus encore de Périclès. C'est étrange qu'il ne soit pas venu le défendre. Dis-moi qui tu es. Périclès a l'habitude de défendre les gens? Ses amis proches, bien sûr. Mais l'issue du vote a l'air de plaire à Anaxagore, ce qui est source de plus de questions que de réponses. Tu as dit que vous étiez proche? Il était comme un mentor pour moi. Bon nombre de mes meilleures idées sont issues de nos discussions. Qui es-tu? Demande à quiconque et on te répondra Socrate. Mais un nom ne signifie rien. Ce sont nos actes qui nous définissent, et chaque action a sa récompense et son prix. Ceci étant dit, toi, qui penses-tu être? Cassandra, la Calicie, briseuse de chaînes. Je connais bien le prix des actes. Il le faut, je suis une mercenaire. Cette simple information m'en dit plus sur toi que ton nom ne le fera jamais. C'est pour ça que j'ai dit ça. Il est essentiel de pouvoir se décrire avec soin. Oui, mais me décrire me prendrait beaucoup trop de temps. Alors limitons-nous à un seul événement récent. Dis-moi, en tant que mercenaire, refuses-tu de faire certaines choses? Si tu me demandes de me faire enchaîner sur un lit, je ne le fais pas. Pareil, s'il faut tuer des enfants. Je ne tuerai aucun enfant dans ce jeu, soyez-en sûr. Ce n'est pas parce que je suis mercenaire que je suis prête à tout. Même si l'on te payait grassement pour une telle tâche? Oui, même. Et si l'on t'offrait quelque chose dont tu as absolument besoin? Une chose introuvable par d'autres moyens? Serais-tu prête à revoir tes critères? Il varie en fonction des besoins. Ce qui peut témoigner d'une faculté d'adaptation ou d'un souhait de justifier ses actes. Je décide de la justesse de mes actes. Tu es visiblement prête à faire ce que tu estimes nécessaire. Pour de l'argent,
ou à des fins plus personnelles. Surtout pour l'argent. C'est le cas de beaucoup de gens. Et j'avoue me demander ce qui t'a poussé à agir. C'est humain. C'est à cause de toi que mon ami va devoir quitter le sol foyer. Ah, il m'a cramé. Il m'a cramé. À chaque fois que je fais la balance, ça se retourne contre moi. En fait, la balance, ça veut dire qu'on ment. Mais que ça peut se retourner contre nous. À chaque fois que je le fais, je me fais défoncer. Tu ne t'adresses pas à la bonne personne. Ah, tu dis ne pas être la bonne personne. Mais y a-t-il un plus grand bonheur que se connaître soi-même ? Mais arrête, tu fais cramer mon cerveau ! Même si je savais qui a manipulé le vote, je ne te le dirais pas. Mais je n'ai jamais parlé d'une quelconque manipulation. Ah merde, Cassandra ! Tu es là. Oui, je suis là. Tu es en retard. Ils t'attendent tous. Je souhaitais connaître le sort d'Anaxagore. Voilà qui est fait. Dis-leur que j'arrive. Eh bien voilà qui met fin à notre conversation. Mais j'ose espérer que nous en aurons d'autres. Je l'aime bien Socrate. Enfin, là, dans le jeu. Bonjour. On est les méchants. Les méchants. On surveille, on tue les héros. Bref, combien de temps de vidéo là ? 42 minutes ? 42 minutes. 42 minutes. Vous vous rendez compte ? 42 minutes. J'ai pas envie de faire les points d'interrogation parce que je me dis que des quêtes vont m'y emmener donc et que ça sert à rien de les faire. Du coup, je vais... La fuite d'Athènes. Cassandra voulait assister au banquet de Périclès. Ah, mais Phidias, je vais le faire en dernier, Phidias. Parce que c'est les adeptes. Donc je vais le faire en dernier. Je vais aller voir je sais plus quoi. Ah non, mais le forgeron. Je vais arrêter la vidéo là. Je vais arrêter la vidéo là, je vais faire plein de trucs au forgeron parce que j'ai fait beaucoup de batailles navales, du coup j'ai plein de ressources que puis-je te proposer à utiliser. 1500, 1400, ça va. Du coup j'ai plein de trucs à utiliser, donc je vais voir ce que je peux faire. Bref, sur ce, à la prochaine, portez-vous bien, tout ça, tout ça.